Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction Grand Format. Grand Format, c'est une tranche de contact pro-life où nous réagissons sur l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes samedi 14 octobre 2023. Moi, c'est Germain Kaindo. Si vous me suivez pour la première fois, donc nous émettons à partir de Johannesburg et nous étalons les idées que nous pensons qui peuvent nous faire sortir de ce marasme en République démocratique du Congo. Donc, nous faisons en principe chaque samedi une émission directe, donc live, sur Facebook et YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler d'un phénomène qu'on appelle le phénomène de Wazalendo. Le phénomène de Wazalendo, c'est qui? Ils viennent d'où? Bazalendo ne mutu bazana top mikoloyo. Donc grand format lelo tokolobela likambo wana ya bazalendo tokolobela likambo oyo ya ba élection et puis nous allons terminer par le problème d'identification de la population congolaise. Ba twebele balobela ngote. Mais nous insistons pourquoi parce que ezako cadré na oyo biso tolobaka que ezali le problème basique qui se pose en République démocratique du Congo. Tant que toko résoudre le problème à identification na Congo te toko tika la kako kende na ba désordre parce que toko ye banate to ye bi nani azana nite banani baza wapi banani basala kanini nyonso wana eutaka wapi eutaka na problème à identification ya population. Alors lelo toko lobela makambo wana misatu na grand format lelo, donc on va parler, on va vous expliquer Bazalendo. Bien sûr que est-ce que Toza pour Bazalendo, est-ce que les Wazalendo qui sont qui prennent les territoires, qui combattent les M23, n'est-il pas un autre problème que nous sommes en train de nous créer? Je parle ici du gouvernement congolais qui se battent justement pour remettre la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avions vu pendant 5 ans Félix Tshisekedi à la tête de notre pays, disant que s'il ne termine pas cette histoire-là de la paix à l'Est, son mandat sera nul. Asalaki Nyonso, Akendaki, il a voulu s'allier avec le Rwanda, avec tous ces... Il a fait des meetings, il a fait beaucoup. Papa Wana Tamboli, Asali Nyonso, mais c'est comme si Ako quitté. Mais à la fin des comptes, nous voyons qu'il y a un phénomène de Wazalendo qui essaie un peu de se repousser, de se libérer avec bravoure, va combattre M23. Est-ce que Bitumba wana est ça Bitumba réel? Est-ce que n'y a-t-il pas encore un cas d'Oshakie derrière ce Wazalendo? Ça, ce sont les questions que nous nous posons et que nous pensons que, selon nous, c'est un autre problème parce que Toza Komitia un déphasage avec la communauté internationale et avec nous-mêmes aussi. Pourquoi je dis ça? Les gens qui ont été massacrés à Goma, ce sont des jeunes gens aussi qui s'appelaient les Wazalendo, même si on a dit que c'était un mouvement politico-militaire. On a massacré plus de 90 personnes. Et ça, c'est encore à la tête du gouvernement. Le gouvernement est allé censé expliquer biso batwana bakufa kande yenini. C'est un massacre. Tout le monde a qui ba troupe msusu baza ba yekuna. Donc il y a une certaine cacophonie. Est-ce que c'est le commandement à partir de Kinshasa? Est-ce que ce sont les gens qui ont été disent tout simplement que troupe mokobo? Donc cacophonie ezakuna te biso tozakuna te tozako tuna na awa likambo a Bazalendo ezanini Bazalendo ezabanani. Alors suivons un peu cette vidéo et puis nous allons revenir tout de suite après. Aji wanya tuko nao na problème. Ni wao wanyangaragata wa teroriste wa M23 wenye wako napenda wasabote budongo wetu ya Kongo. Me population irudie na amani, hatutagusa kukitu ya mukaaji, kwani sisi tulijitolea kugomboa budongo yetu na kugomboa watu yetu wenye M23 iko na nani iko na torture. Maviole zilisha kwanza mingi, unaona mabarabara walikuwa naripisha 5-7 dollars. Kunani ku hii barabara ruto ya kwenda nani Kichanga, me tunagomboa barabara, tulisha libere magari priske nonanti gari nonanti verkire zenye zilikuwa naenda ndani ya Goma, hakuna manake saba naona banapita bila taxi hata moya, wanafurahi sana. Bana mboka na kosi? Okosi. Barabara po, mboka na bisho ezala na kimya.
Ipesele no! Oye! FDP oye! Na banzike ngai na koloneli na kaga kome ba komanda septere toko sala musara ndenge senge? Ndenge senge! Hapa ni komanda Kateme Seitele koloneli nyega nyega muvuma ANCDH bari AFDP. Tioka ni? Ona hapa tunajengua adui. Ilikuwa na vilima saba hapa tunajengua. Kutoka Burungu kuingia Rushebeshi tunajengua. Ona hapa ni Rushebeshi. Rushebeshi hii. Rushebeshi mwingine ya Rushebeshi. Pale ni Burungu. Ona tunajengua barabara kusoma gari zilikuwa zishasimama hapa. Me yote tunalebere. Gari ziko napita kwa usalama. Walikuwa nalipisha kama gari napita $500, $520. Mesha tunalebere kubure. Kome bakongomani benzetu. Me baturaliste wanakuwa tuviore mweneo yetu. Hadupendi. Bana viore ba bibi yetu. Bana viore ba mama yetu. Irote natuuzunisha. Kome bazarendo. Jo mana nasia tunazitoa kwa ukamata sila kwa upigana nabu. Grupe arume kwa arume mpaka dupigane. Mpaka tuone tone na mwisho. Chokani. Boe. Chokani. Boe. Zali. Boe. Ote ni kusema. Tutawafata mpaka kwenye bata, kwenye tunaweza takanyaga kokote. Tutuko tayari kufika pale. Tunasikilizana? Ndio. Tunasikilizana? Ndio. Kwenye tunaweza takamnyanga mpaka tufike pale. Okay, hapa tuko na komanda. T3 Michael Zone. Tuko na komanda Corner Hakiza. Na komanda batoto wanajitoa kupigia kupigania nchi yao bare bote. Mujipigia mikono. Voilà. Batu oyo baza komi lo bakeno bango bazoa kubundela mboka na bango mabele ya bakoko na bango. Donc, la constitution de la République démocratique du Congo autorise à tout Congolais à barrer la route à toute personne qui veut prendre le pouvoir par la force. C'est donc, ils sont dans le droit. Nous avions vu le gouvernement qui était, qui s'est réuni avec la communauté internationale pour bazoa solution, il y a Est, on a qualifié toutes les personnes porteurs d'armes comme, et surtout s'ils sont en groupe de groupes négatifs. Et ça, nous avions retrouvé les ADF, nous avons trouvé les Codecor, les M23, tous ceux qui s'opposaient par force en tuant, en faisant des massacres. Contre le peuple congolais, ça était des troupes négatives. On les a qualifiées et il fallait les combattre par la force. Mais nous avions vu que le gouvernement congolais n'a pas pu. Bakoka ki kosili sa makambwana ya ba mai mai te, ba phénomène wana. Finalement, le gouvernement congolais est qu'on s'est rétracté. Je saute, hein, nazo kende mwa mbangu. Na ba dernière minute, ba lobi ke non, bakosa la groupe ya ba réserviste. Qui est une loi dans notre constitution. Il est bien stipulé que les forces armées congolaises peuvent avoir des réservistes. Et tout le monde qui Muindo Zangi a accueilli, prenant ses grands chevaux, a kendekoye bisabatu keno, que bino ba groupes armés, bokozala ba réservistes. Ça, ce n'est pas, ça ne vient pas de moi, ça vient de la bouche du ministre Muindo Zangi, qui est parti, parce que c'est un garçon de l'Est, c'est un homme de l'Est, il est parti un peu apaiser ces gens-là en disant que non, bokotana DDRCS, toko salabino comme ba réserviste. Entre-temps, le problème de M23 persistait, parce que le problème, on a, depuis que Bounagan et Zouamaka, ça fait 2 ans, que Bounagana Ezana Maboko, il y a un certain groupe armé, M23, supporté, selon le dire que Baza supporté na Rwanda. Moi, je ne peux pas l'affirmer parce que je n'ai pas de preuves. Tant pis pour que les gens qui vont dire que non, moi, je suis en train de parler pour le M23. Non. Même à un certain moment, jusqu'à ce que le gouvernement congolais a prononcé clairement que non, Eza Rwanda Mutu Eza ko attaquer Biso. Alors, un mouvement est né de nationalisme, y a Batwa Lobi, mais faire des scènes à Biso Ezo Koka Kobondisa Rwanda, t'es pourquoi. Il y a eu même des voix qui se sont levées à Koloba, que tout ça la guerre na Rwanda, parce que c'est le Rwanda qui supporte le M23. Le gouvernement n'a pas pu. Ainsi, les patriotes, qu'on appelle les Bazalendo, les jeunes gens, que le gouvernement a réfuté, que le gouvernement a massacré,
bangwana ba simba mandoki balobi te biso toko bomalsu ba congolete toko kende ko attaquer M23. C'est ainsi que nous venons en dernière minute donc toza komona bazako bunda bazako avancer bazako ko bengana M23 na ba territoire o M23 bande ko occuper et même ils sont bon selon les vidéos que nous avons nous suivons tous que bazako bundisa même le EAC qui était une force que le gouvernement avait invité en République démocratique du Congo pour ba combattre ba M23 mais et comment qui n'est-il copa moko boye EAC zako coopérer na ba M23 alors ça causait de la cacophonie c'est comme ça qu'est né le phénomène de les Wazalais non en se disant biso ba congolais toko simba pe mandoki toke ndeko bundisa M23 total so qui EAC wana eko pekisa biso mais à un certain moment ndenge toza koyo quand même que les Wazalais sont même prêts à se battre comme le EAC baebi sa ki bango ke ba pesa bango 48 heures bazonge pa na bango pourquoi parce que ba lobby que non ba signaka accord na bango te alors qu'est-ce que les Wazalendo veulent est-ce que Wazalendo bazolinga ba signa accord na EAC pour ba bundisa M23 parce que EAC ya ki ko bundisa M23 te le EAC a dit clairement qu'il n'était pas venu ici pour se battre et chose grave encore, Chirimwami Tangwaza nommé Kuna Alobi Keya Keko Bundate. Est-ce que nous ne nous posons pas la question, est-ce que Congo, dernièrement nous avions vu le président burundais à Kinshasa, et Basinya ki ba accord, ba beta ki ba masolo kuna. Et là, comment on biso a toza ko remarquer que non, tactique au gouvernement, comme il kosala, et sa tactique à ba burundais. Donc, l'armée régulière ne se bat pas à financer Batumsusu, ba groupes armés, pour combattre, pour se battre, pour se protéger du côté international. Yangwana ngaina, ça c'est mon point de vue. Ça c'est mon point de vue. Que Nazako Lobela Batuke, o eza tactique à Baburuni. Parce qu'on peut se poser la question. Bazalendo bazui mando ki wapi. Le baby bundeli wana nyoso bazako bundanango. Est-ce que euti wapi? Euti na lola? Kamba la moko boy bango pe bazolo ba keno toza koyana ma mipanga ba machete ba lance ba nini nous récupérons les armes auprès de l'ennemi c'est qui le M23 est-ce que bazalendo baza capable ya koboto la minduki na ba M23 tout ça ce sont des questions que nous pouvons nous poser et c'est pour cela que moi j'ai dit eloko angwana nga na zakoye bisabino to sala keba est-ce que ce phénomène a bazalendo et koboto la biso sous problème sous souté serons-nous contrôler ces gens-là lorsqu'ils récupéreront Bunagana? Est-ce que Tokofuta Batouana Nengen, ce sont des Congolais bien sûr, mais est-ce qu'ils vont rentrer dans le plan du gouvernement? Est-ce que le gouvernement est capable de désarmer Bango tant qu'on va récupérer? Parce que nous avons vu, à un certain point, ceux qui n'ont mis chaque Wana, tant que Bango va Bengani M23, le gouvernement est récupéré la place Wana. Où est la place de l'EAC? L'EAC est à côté de la caca expectative parce que c'est comme s'ils ont été pris de court. Yango naza koyebi sabino eloko wana phénomène wa zalendo bien sûr que nous les supportons ce sont les jeunes gens c'est ezabande kona biso ezabana na biso mais est-ce que seront-ils être intégrés dans l'armée sera-t-il ekozala ndenge nini on a même pas un plan toza na plan mon côté est-ce que bango te mutu bakokata kivu batwana pe bazalendo bao bozoko yoka wana écoutez bien leur expression ezabatu bazolo ba mangala moko boye Ezaba tu bazako loba kinyarwanda na kati ezaba tu ba garçon ya Goma on ne sait pas ezaba biloko moko toza komona eza un peu suspect selon moi je me dis il faut vraiment faire attention que likambo e kendeti na suka est-ce que le gouvernement a contrôle de sur ces Wazalendo là gouvernement ebi pourquoi za ko armer bango ou bien toza ko kopesa bango ka mindu ki ndenge wana na kibulu yeke tout ça pour que est-ce que zali copter ya Kinshasa yokani na M23. Toutes ces questions-là demeurent sans réponse. Mais néanmoins, notre problème, c'est quoi? C'est que la paix revienne d'abord. Parce que c'est ça le souhait de tout le monde. Bandeko, nako suki sawana, naba question ana nazako pose bino moko boko zwa ba réponse. Vous-même, essayez un peu de répondre à ces questions-là. Allons-y un peu à likambo ba élection. Ba élection, ngai na koloba mingi te na ba élection. Pourquoi? Parce que programme à CENI à l'obé à quoi afficher baliste T. C'est sur ce point-là que moi je vais m'étaler.
nani nanga lobi ke ba ko afficher ba liste te, ils ont donné des explications que non ba fiche ba nani ba liste on a ce qui ba afficher ngo ba mbule ko beta ba biloko bele bele. Donc cartographie à élection à deux mois maintenant, nous ne connaissons même pas. Il y a maintenant les gens qui commencent à suscipiter que non, bah élection en quoi cause à la tête, c'est ni ezokokate. C'est moi maintenant, je me suis dit tant on attend que se communiquer à Seni, je me suis dit que j'aille un peu na au Seni à lobby que non bah côté à na website na bango. Je suis allé là-bas bandeko botala ezalité. Donc aujourd'hui nous ne connaissons pas le fichier électoral. Tilelo oyo tozako pousse na lelo za le 14 hein za le 14 octobre. Donc il nous reste deux mois mutute ayebi place ni nango ko voter bureau de vote ko za combien on ne sait pas. Entre-temps, les machines à voter tozo yebate soke komate c'est ainsi que ba rumeur e komi ko kende ke non élection ngo Kadimako démissionné, tout ça. Il y a beaucoup trop d'informations incertaines. Encore une fois de plus, Nakosuki Sakabino Kakawana. Je ne veux pas aller un peu plus loin. Je vais vous laisser là-bas. Bino Mokobo Kendeko vérifier Nanani Aseni, ce qui est le Kwan Ezali, baliste si a publié, ou bien Ataba si Bandi Atako publié et l'autre côté. Est-ce que Baba kit électoral, et si Bandi Kozala déployé, on ne sait pas. Dans l'intérieur du pays, on ne sait pas. À Kinshasa, on ne voit rien. C'est ça la question que nous continuons à nous poser. Alors, pendant ce qui sa émission à l'élo, parce que na kozala moulaïte, je voudrais un peu parler sur le phénomène d'identification. Parce que na contact pro live, nous nous sommes dit que tant que bana ya Congo mobimba, ba kovanda te ko solo là. Solution et nous ne pouvons pas laisser notre destin dans la main des gens. Na maboko ya batu moko boye toti kababilo kwana. Ya ngwana na mona kike mokonzi. Soki ba élection zalite appeler les états de lieu de chaque territoire où le peuple congolais va se parler. Va trouver des solutions. Boti que le peuple congolais a kende kosolola. Tokosolo to sala ngona ndenge nini. Quand nous appelons les états des lieux de chaque territoire, c'est pour envoyer tous les politiciens, tous les notables, tous dans chaque territoire, pour revoir le Congo et Sika. Proclamons un nouveau Congo. Oui, le glissement peut être bénéfique. Attends, Félix Azawana, mais Félix a initié le Congo Keno. Et ça a été. À se dérober dans la responsabilité, on a Koloba. Ce n'est pas moi, voici pourquoi est-ce que les élections n'ont pas eu lieu, mais en solution. Solution, on n'a aucune qu'à proposer, c'est que Congolais à Solola, to bandela Congo, to mekana nukotia, mayele na biso pour la construction à Congo à Sika. Toko kende kuna ndengenini. C'est comme ça que moi j'ai dit, il faut appeler les états de lieu de chaque territoire pour que Congolais nyoso na katia territoire nyoso à Solola. Et ce qui toke na schéma, on a beaucoup moins que. Bato ba simba manduki ça va imbibé yangona lobaki na obiba côté kuna place insécurité zali lorsque nous allons proclamer le masolo donc les états de lieu de chaque territoire place au bato na bazali boye ça bango problème na biso ezalité mais to solo la pona Congo asika mais to kwa ko solo lango na Kinshasa te to solo lango na côté kuna place bino bozali parce que population ezali kuna ba notable na bino ba yebani bazali kuna. Na bloba ki boy côté kuna il faut te former lo comme ko na koloba keno batu oyo basko sala nani police de proximité pona toloba e bo conquérir mbokate eza bolobi ke boza ba congolais alors bo solo la kuna boya na ba solution na bino voici le chemin procédure ko za la masolo na boko décider kuna boko ya ko tia yango na ba province. Boko tinda batu, chaque territoire kwa ko tinda batu, na papier moko donc oyo ba résolution na bino, oyo kozala harmoniser na niveau à province. Ce qui to harmoniser ngo na niveau à province, c'est comme ça que nous allons na niveau national pour to zwa mokanda moko ya sika, oyo ko reprendre ba desiderata ya congolais nyoso, du nord au sud, de l'est à l'ouest. To tindi pe batu ya sika.
parce que tant que to bandeli yango na ba territoire, na ba territoire kuna nde batu ba toko désigner batu ba kende na province, na province pende ne toko désigner batu ba kende na national, et ko komi sabiso batu owe ya mayele o ba okende réfléchir sur une nouvelle constitution. Entre temps, ce que nous avions proposé, batu o na ba état de lieu wana ko zalande yenini batu kuna, il faut déjà opération à identification à population salema. L'identification de la population ezali kosa la liste à ba congolais nyonso na kati ya République démocratique du Congo. Chaque territoire est kosa et ko se prendre en charge à koloba to yeba nani angwaza ko azala kani wapi, qui fait quoi dans ce territoire, na territoire o batu nini bazalaka awa, banani ango basalaka nini awa, nous sommes à combien. Et c'est de là où nous pouvons dire, voici ici état de lieu au Yotosali Awa, voici thématique à identification. Et c'est ainsi que le gouvernement central et qui a chapeauté à Koloba, bon, ok, ba machine en Oyo et facilité que binobo ça la identification. Parce que c'est là la base de notre dislocation, base ya kozanga koyeba mboka na biso yangoana. Alors chaque territoire, dès que koyeba quantité à batu place bazalaka batu nyoso ba ko s'impliquer na ba masolo ana dinoros ezala teke to bandiawa to tikina no to non, il faudrait que le congolais sur toute l'étendue des territoires puisse se parler, puisse se dire que to tikana no mandoki to ti a peine territoire na biso sécurité na biso to kubunda na ngone nini banani yango ba ko kiko sala mande nini awa nani yango azalaka chef coutumier a nini yango chef de groupement na. Et ça nous expliquons ça au niveau à contact pro life. Yangwana nas na zako ebisa bino d'abord soko za abonete, parce que soko moninga lelo o bandili solo o koyeba place ni nango to bandela te. Et ça nangona nous trop tard parce que nous continuons à faire l'éducation à peuple congolais to yeba. Bamboka ebele ba o ba landanga na TikTok na lakisaka na lobi importance à identification ezalinde base à ko ya nation. Si nous réussissons à nous identifier, ce so qui to réussir kozala na ba carte d'identité uniforme sur toute l'étendue du territoire, nous aurons déjà fait un grand pas. To kozala to sali grand pas ya munene. Parce qu'à ce moment-là, nous aurons maintenant à mettre les processus pour avoir une carte d'identité, processus pour tout ça, la boye, processus pour l'administration, la biseau, la base, qui peut être qui dans la République démocratique du Congo. Ce n'est pas simplement la politique. Même l'état de lieu, on a un commerçant, quels sont qui sont dans la banque, tout ça devra être discuté justement pour avoir un nouveau Congo. Place wana nde na bandai kwe yebisa bino ke na kosuke la nanu lelo awa, parce que makambo ko solo leze bele. Donc importance de l'identification ezali makasi, et c'est ça la base ya problème na biso na mboka na biso bandeko. C'est très grave so ki to arrive ko zwa programme moko ya ko ter likambwana ko silisa likambwana identification na ko zala na ba carte d'identité. Ça va nous permettre de bien nous contrôler, de bien contrôler notre population, même à ta ba mouvement autolobaka côté à Massis ou bien à ba frontière na biso mouvement à population, pour que la population se mette une fois de plus ya koyeba congolais azanani congolais azananité. So ki to sali yango te to kobanda ka ko kende na buluyeke kaka ndenge wana. Alors si vous me suivez encore une fois de plus na komiko suka awa, ce qui bozo landangai et que bolingi vraiment boyeba makambu oyo, abonnez-vous s'il vous plaît sur notre chaîne. Abonnez-vous sur notre bo suivre biso na TikTok et puis na Facebook et puis na Instagram. Makambo toza ko expliquer yango bien. Et puis je na banzi ke na ba réaction o batu baza ko tinde langai baza ko réagir na makambo tozo loba. Eza ko encourager nga mingi poto kende na likambu oyo. Il faut to sosola yango très bien to yebisa bino. Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Toko bandango ndenge nini? Mingi ba congolais to lobaka nini? To lobaka oh non, to il faut to sala bo, il faut to tonga balabala, il faut to sala. Mais to kanisaka te balabala wana to ko tonga yango ndenge nini? Plan ya ko tonga yango ndenge nini? To ko protéger yango ndenge nini? Po sala 50 ans, po sala 30 ans. Ba balabala o to zo tonga awa, suki ndako to zo tonga ezala kana suivi mon côté. Yango na toza ko répéter likambo moko kaka chaque fois oh nga mtu na kosale la bino boy oh nga mtu na kosale la bino boy vraiment na za ko senga bino bo s'abonner bele, parce que l'idée est vraiment ya rétrocession ya pouvoir au niveau de la base. Donc na soukia walelo, j'espère que
boko sepela na emission oyo bo tindela ngai bo benga ngai nazali disponible na numéro à téléphone ezalaka awa naza disponible ne vous en faites pas tokosolola na tango tozo solola na bino ekembi sakape ide oyo ya rétrocession. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien et bon week-end. Tomonani semaine prochaine. Au revoir.